Nang's Reborn. Wow! Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bol. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez la cloche parce que ce qui arrive, c'est du lourd. Je viens de tomber sur une vidéo dans laquelle on voit un vieillard dans une bouteille. Une bouteille de mayonnaise, selon ce que les gens racontent. Ah, sérieux? Comment c'est possible? Ben, j'ai du mal à y croire. Je vais vous montrer ça pour que vous puissiez bien m'expliquer. Les gens pensent que c'est de la sorcellerie. Les gens pensent que c'est un sorcier. Aïe, 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 aïe. Si ça n'avait pas été filmé, vous n'aurez sans doute pas cru. Regardez ça! C'est extraordinaire. Et les gens sont venus pour voir ça. Ils disent qu'ils veulent voir de leurs propres yeux aujourd'hui, là. Oh, sérieux? Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Vous voyez là? Quelqu'un qui est dans la bouteille, carrément nu. Sérieux? On nous dit que c'est un vieillard. On nous dit que ça, ça ne peut pas être un fœtus. C'est impossible. Et que c'est un vieillard, c'est une personne. Et tout de suite, les gens ont pris cette affaire. Ils se sont dit, c'est un sorcier. Si toujours il fuit, et qu'aujourd'hui, elle a tapé, c'est que c'est la grâce de Dieu. Tuons-le. Tuons-le. C'est là que les policiers sont venus. Et ils ont pris la bouteille pour partir. Mais regardez. Je vais tout de suite vous montrer la vidéo. Vous allez pouvoir de vos propres yeux. Regardez. Même les Chinois sont venus. Les Chinois sont venus voir de leurs propres yeux. Regardez la vie de la Chinoise. Elle est venue voir de ses propres yeux pour voir si c'est vrai ce que les gens racontent. Et regardez. Ça a été filmé. On peut clairement voir par nous-mêmes qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Regardez ça. Vous voyez ça? On a dit que c'est un homme, mais la population est agitée. Les gens disent, c'est quoi ça? Ça, c'est un sorcier, il faut qu'on l'élimine. Il faut qu'on lui montre le piment sec. Regardez. Cette chose-là bouge à l'intérieur. La sorcellerie vit sa vie. Frères et sœurs, maintenant que vous avez vu, dites-moi mes frères et sœurs, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Vraiment, il y a beaucoup de choses en Afrique. Il y a vraiment beaucoup de choses. Comme un matin, tu te lèves et puis tu vois un vieillard dans une bouteille et il est nu. Comment est-ce qu'il a fait pour atterrir là? Si les blancs sont venus voir ça, si les blancs sont venus voir, c'est que c'est pas du fake, cette vidéo n'est pas de la blague. C'est bien réel. Ils sont venus voir de leurs propres yeux. Et Chang 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 Konchiwa. Ils sont venus pour voir ça. Ah! Ils disent, mais comment c'est possible? Une femme qui a témoigné a dit que elle connaît à quoi ressemble un fœtus. Ça, c'est pas un fœtus. C'est un homme. Oh! C'est un être humain. Sérieux? En tout cas, moi, quand je vois ça, c'est pas blanc, c'est pas un fœtus. Hein. C'est vraiment pas un fœtus. C'est tout sauf un fœtus. La réalité là, c'est un être humain. C'est un être humain même. Ouais.
C'est un être humain. Vous-même, regardez, regardez. Regardez ça. Ça, c'est un être humain. Ce n'est pas à débattre. Hein. C'est un être humain avec des pieds formés. Mais un être humain en miniature, vous savez que des mots des esprits là, on peut faire la magie sur quelqu'un, on peut lancer un sort sur quelqu'un. Et puis, hein, cette personne qui est grande comme moi, qui vient tout de suite petite comme ça. C'est comme ce que vous voyez dans les films là. Dans les films de magie, dans les films de sorcellerie. C'est possible. Avant, les blancs, pour pouvoir construire un pont chez nous, ils arrivent, ils regardent le pont. S'il y a un démon à l'intérieur, ce qu'on appelle chez nous, s'il y a un génie, il négocie le génie. Ou bien il le piège. Ouais. C'est comme j'ai entendu cette histoire-là d'un génie. Lui, là, il a une petite tête et puis il a un gros ventre. Qui a déjà entendu parler de l'histoire? Le génie, il a une petite tête et puis il a un gros ventre. Petit pied. Le blanc est arrivé, il a vu le génie, il dit, génie, c'est comment? Si tu es fort, voici une bouteille. Faut rentrer dedans. Jean le blanc est venu défier le génie. Pour dire que oh, le génie, toi, tu n'es pas fort, moi, je suis plus fort que toi. Mais si toi, tu es fort, voici une bouteille. Voilà, voici la bouteille. Il faut entrer dans la bouteille. Le génie, physiquement, comme vous le voyez, il est grand, il est balèze, un génie. Mais le blanc, il est très malin. Il a dit, toi, si tu es vraiment fort, faut rentrer dans la bouteille là. Mais le génie aussi dit que ouais, il va te montrer que c'est un babacher, il va te montrer que c'est fort, il va te montrer que c'est grand. Voici comment le génie, il a sauté, il a entré dans la bouteille. Quand il a été dans la bouteille, le blanc a fermé sa poupe. Les blancs sont malins. Vous êtes maléfiques. Il a fermé ça. Le génie est resté dans la bouteille. Les gens ont commencé à prendre des photos. Nous tous, on l'a vu. Moi, j'étais en classe de... J'étais en primaire. J'étais en primaire, genre CP2, là-bas en primaire, à l'école primaire. Oui. Et j'ai vu les photos. C'est pas qu'on m'a dit, j'ai vu les photos. Je ne sais pas si je peux vous montrer ça. Mais j'ai vu les photos. Le génie était genre nu aussi. Hein. Ouais, c'était la même chose. Il n'y a pas de différence. Voilà. C'était la même chose. Ah! Donc ces choses existent. Oui, ça existe. Ça existe. On a fait des vidéos ici en Sorbonne où on a vu, où on a tapé des personnes âgées sur les maisons des gens, sur les poteaux électriques. Tout ça, on a fait des vidéos ici en Sorbonne. On a fait beaucoup de choses ici. Aujourd'hui, nous avons plus de 4000 vidéos. Si nous faisons des vidéos extraordinaires, ça veut dire ce que ça veut dire. Fouillez, vous allez voir des choses pas possibles que nous avons fait avant. Vous risquez d'être étonné. Peut-être dites-moi. Est-ce que vous connaissez d'autres histoires qui peuvent confirmer que ça, c'est possible? En tout cas, c'est possible. Moi, c'est ce que je peux vous dire. La chose la plus bizarre de cette affaire, c'est que le pouvoir qu'ont les sorciers, là, ce ne sert qu'à détruire et non à construire. Vous voyez? Ils ont des pouvoirs qui ne servent qu'à détruire. Si quelqu'un est intelligent dans la famille, ils vont combattre cette personne pour que cette personne-là ne puisse pas avoir la paix. Si quelqu'un doit réussir et que la personne cherche à faire sortir la tête du trou, dès qu'ils vont sentir que la personne cherche à faire sortir la tête du trou, hein, ils vont chercher à foncer la tête de la personne dans le trou encore. C'est ça la sorcellerie en Afrique. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Ça ne sert qu'à détruire la vie des gens. La jalousie, ils empoisonnent leurs frères. Dès que tu dis, oh, j'ai une bonne nouvelle qui arrive, tu veux voyager. Automatiquement, ils se disent, ah, c'est pas normal. Ils se disent non, c'est pas normal, on va pas te laisser partir, c'est pas possible. Ils vont commencer à faire des complots, des choses pas possibles. C'est là au Cameroun, par exemple, on voit les gens empoisonnés matin, midi, soir. Ça veut dire que le peuple africain, vraiment, je sais pas avec quoi Dieu nous a créé, ou bien avec quel odieux nous a lavé les mains ici, là, pour pouvoir réussir.
Il faut être un dur. À un moment donné, tu vas te retirer de tout le monde, même ta famille. Parce que eux-mêmes peuvent participer même à ta destruction. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Est-ce que vous avez déjà entendu ça chez les Blancs? Est-ce que vous avez déjà entendu ça chez les Blancs? Les Blancs là-bas, eux, ils ont un autre problème. Ils ont un problème là-bas. Ils ont un problème. Mais ils jouent pas à nous, hein. Leur sorcellerie, là, ça dépasse la sorcellerie de l'Afrique. Eux, il faut leur utiliser leur sorcellerie pour trouver les endroits où il y a les richesses pour les exploiter. Maintenant, s'ils viennent pour trouver qu'il y a effectivement les richesses là, ils veulent exploiter par exemple le pétrole. Si vous êtes des Africains, vous vivez là. On vous combat, vous tous, vous éliminez, vous tuez vous tous. Ils ne sont pas dans le discours, hein? Si vous vous opposez, vous tuez tous. Pour point de pétrole qui se trouve sous vos propres terres, sous vos propres sous-sols. Ils ne sont pas dans le discours. L'eau qui est à côté, c'est-à-dire le lac, même le fleuve qui est à côté, qui donnait de l'eau à la population, même du poisson là. S'ils exploitent du pétrole, le gaz, le pétrole, tout ça là, ça peut entrer dans l'eau là, ils s'en foutent. Si que vous ayez à manger, que vous ne savez pas à manger, ils s'en foutent. Hein. S'ils ont collaboré avec certains membres du gouvernement et qu'eux ont accepté de prendre leur argent, ils vont faire des bêtises et que vous n'aurez rien. À côté de vous, on exploite beaucoup de barils de pétrole, des milliards. Mais vous êtes à côté ici aussi, des Africains, vous n'avez rien. Vous êtes pauvres. Votre intelligence, vos sorcelleries, vous n'utilisez pas ça pour devenir milliardaire. Vous utilisez ça pour bloquer les gens, pour inciter les gens dans les commentaires. Oh, toi, la terre, ceci. Oh, toi, la terre, cela. Tout le temps sur les réseaux sociaux. Oh, vous la voulez comme ça. Oh, vous la voulez comme ça. Faut pas, laissez pas évoluer. La sorcellerie que vous faites pour détruire les gens, là. Ça fait que quand tu rencontres tes amis qui ont un esprit pareil, là, tu es obligé de t'écarter de si toi, tu veux réussir. Parce que si vous restez ensemble, tu vas pas aller quelque part. Il va falloir sortir du milieu d'eux. Il va falloir prendre la décision de t'écarter de deux. Mais si tu veux, il faut t'écarter un peu seulement d'eux. Tu vas voir la différence. Tu vas même voir tout de suite la différence. Leur présence autour de toi, c'est un problème. Il faut vraiment éviter. Il y a la sorcellerie. La sorcellerie, là, ça existe. Ça, là, c'est ça, là. Ça, là. Ça, là. Ça nous montre que la sorcellerie, c'est pas de la blague. Si vous ne croyez pas, c'est réel. Ça se passe même à l'heure où je vous parle. À l'heure où je vous parle, ça se passe. Ça se passe même. Ça se passe. Ouais. Et moi, je vois ça. Je vois ça à gauche et à droite. À droite. Je vois ça partout. Mais je suis fort. Mais Dieu est fort. Ne soyez pas distrait dans la vie. Et soyez vigilant. Que Dieu veille sur votre maison. Wow, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'était extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nyansou Bonne 3. Avec la chaîne Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nyansou Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.